bruit pour Jacques Bagnon. Jacques Bagnon. Ouais. Lou. Mais Debayon, pense que tu as fait toutes ces voix-là ou bien il y a eu des gars qui ont chanté avec toi? Non, j'ai appelé mon grando, ouais. Frankie Zouglou, ouais. Et aussi mon ami et frère, Mikey P. J'ai l'impression aussi d'avoir entendu la voix de mon frère. La voix, là. Non, c'est la voix de Mikey. Mikey. La voix de Mikey. Ouais. On est quitté en son studio au moment où vous étiez à San Pedro. Voilà, c'est lui. Il est bien costaud, là. Ah, bâtard. Voilà. Ouais. Non, il est fort. Non, t'as vu, t'es fort. C'est un petit talent du Zouglou. Et les amis, vous l'avez validé ou pas? Akagi, c'est en quelle langue? Akagi, c'est embêté. Ça veut dire quoi, Akagi? Akagi signifie « aie les yeux pour regarder ». Faut avoir les yeux pour regarder. Faut pas avoir l'habitude de négliger ceux qui sont derrière. Mm-hmm. Parce que celui qui est derrière pourrait devenir premier demain. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mm-hmm. Voilà. Akagi, magnifique chanson. En tout cas, on te souhaite plein de succès. On attend le clip. Il y a beaucoup de gars là-bas qui disaient que c'est pas lui qui a chanté. Il faut faire petit acapella, 30 secondes seulement. Akagi voye tcharao, eye kibo akagi voye tcharao, eye nyiribo. Wala musegi yeng, ziri amuzi, amu wage na jara, amu wala boro lobri, de banyo amu krisa preple, gwili nyamwiki, mo wana te pare. Ils m'ont négligé, ils ne savaient pas que c'est moi, ils allaient regarder demain. Me voici en haut, yeah. Quand ils me voient, oh, la café doum de bas, my hippie, yeah. Voilà ça. C'est que tu as négligé. Garde un peu pour concert. On va applaudir pour Dek Bagnon, s'il vous plaît. Hey, les amis, voyons vous. Dek Bagnon, il faut le dire. Dek Bagnon n'a déboursé 0 franc. C'est son talent qu'il a envoyé ici. Nous, ici, là, quand on vous regarde, quand on sait que vous avez du talent, on peut te dire viens, tu fais un petit baillement, tu tchafoules. Et puis quand tu vas là, ça peut déjà quelques potes. Donc, il n'y a rien à payer. Si vous avez du talent seulement là, nous, on vous sélectionne et vous venez ici. Dek Bagnon, c'est un grand talent. Il n'y a pas l'homme pour lui, franchement. Plein de succès à toi. Merci. Force à toi. Merci et beaucoup. Puis un jour, on espère te voir ici, assis là-bas, là, comme les autres invités. Merci et puis, on parlait de tout. Bien sûr, hein. On s'y lâche. Anitie Godogo. Zouglou. Amoléo. C'est y. Mais reste là. Tout compte fait, comme il y a des morons qui vont venir tout à l'heure. On ne sait jamais si tu es inspiré un peu. On s'en jaillit. Ça marche. Il y a Bagnon. Sinon, ils ne vont pas me payer. Ouais. Faut tes poules là. Dek Bagnon, on applaudit pour Dek Bagnon, s'il vous plaît. Un autre moment de super ambiance sur notre plateau. Le Woyo est une valeur sûre de notre culture nationale. Dans tous les quartiers et hameaux du pays, les jeunes et vieux se retrouvent autour des tambours et des grelots pour faire la fête en toute simplicité. Ce sont ces moments uniques que nous allons vous faire revivre une nouvelle fois sur notre plateau pour l'acte 2 du WAM spécial Woyo. Vous l'avez demandé, la première fois c'était ici, c'était du lourd. Aujourd'hui encore, on vient pour tout gâter. Quant à Fabrice Indé, il s'est intéressé au développement de la lecture dans notre pays grâce à une nouvelle application créée à cet effet. En attendant de retrouver Apuchou sans filtre utilisant l'application YouScribe, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Oh la voix de Zo! Rio Production! Yo,
C'est parti pour une heure exceptionnelle de détente sur votre plateau favori. On va se lancer maintenant avec les beaux. Hey, je bognon l'or, Yao. Je bognon Armel Bois. Je bognon l'or, Nda. Je bognon Nda Ismaël. Je bognon Ramso Saré. Je bognon Jacques Akota. Je bognon Paul Coré. Je bognon Emmanuel Grasse. Je bognon Métropole Ricardo. Et puis enfin, je bognon Talent Fashion. Et la famille, on va se lancer maintenant avec un beau cantique pour confier notre journée, cette émission à Dieu. C'est la vidéo du jour, on regarde. C'était la vidéo du jour. On file tout droit aujourd'hui exceptionnellement avec un talent qu'on a pu découvrir sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tantôt, WAM, c'est également une tribune qui donne la chance aux jeunes talents de s'exprimer. Aujourd'hui, on vous présente Chino Bad Boy, un jeune surdoué du Ragamuffin. Il est très bon, écoutez, appréciez et dites-lui qu'on le cherche. Non, petit, il a trop de talent. Hey, c'est le bad boy. Si tu nous entends, s'il y a un pote qui te connaît, faut lui dire côté chef, ça veut dire faire un freestyle ici. Tu as tué, il est trop fort. Va presser un bon fireman, bon mot Clyde, yeah man. Et les amis, hier, vous avez eu une nouvelle fois été très nombreux à participer au jeu Move Africa. Le regagnant de ce lundi, c'est-à-dire hier, a pour nom de profil Lil Wap Life Zaza. Il ou elle pourra passer ici donc le vendredi prochain, c'est-à-dire ce vendredi là, pour récupérer son lot en direct sur le plateau. Ce sera une Wimo, une borne Wi-Fi de poche. Allez, on file vers les pépites. Pépite 1, chacun connaît sa place. Affaire de relations d'un pays, là, vraiment, chacun doit apprendre à connaître sa place, n'est-ce pas? On dit quoi? Toi au moins, bé, t'affiche. Toi au moins, ton chéri ou ta chérie t'affiche. Nous, on est coincés dans galerie. Nous, on est coincés dans galerie. Galerie de téléphone portable à photo, là. L'autre a répondu. L'autre a répondu quoi? Toi au moins, tu es dans galerie. Toi au moins, tu es dans galerie. Moi, je suis dans corbeille. Moi, je suis dans corbeille. Toi, ils t'ont supprimé depuis longtemps. Ils sont venus répondre encore. Y a quelqu'un qui a répondu quoi? Toi au
moins, tu es dans Corbeil. Toi, au moins, tu es dans Corbeil. Moi, je suis dans Masqué. Bon, ma Masqué, mais ça veut dire que je risque même pas d'apparaître même. Ils ont répondu encore. Ils ont répondu. Ah! On dit, toi, au moins, tu es dans Masqué. Toi, au moins, tu es dans Masqué. Moi, on n'ouvre même pas photo quand j'en vois. Moi, déjà, même pas photo là quand j'en vois. Mais vous êtes dans quoi, les gars? Mais pays là n'a plus bon frère. Vous avez la moulue à l'acheter. Pour vous-même là, c'est bon. Moi, quand je vois je t'aime bébé, on me répond OK. Mais je suis assis ici par terre. Je n'ai pas mis à aller laver mes mains. Hello et puis Javel. À nous, allez. Pépite 2, Yako, à vous. Quand tu n'as pas été gâté par la nature, parfois c'est compliqué. Hein. On dit. On dit quoi? Être vilain, c'est un truc de. Être vilain comme celui qui a parlé dans le fond là-bas, c'est un truc de. Tout le monde pense que tu as force. Tout le monde pense que tu as force. Mais effectivement, quand tu es vilain comme moi, tu penses que non, tu as force. Quand tu es vilain, tu as narine ouverte déjà comme ça, là, comme moi, tu penses que non, il est sorti de la forêt, il est frais. Tout le monde t'appelle vieux père au quartier. Je te jure. Et bizarrement, c'est comme ça qu'on m'appelle les vieux pères. Ah, quand ça peut être vilain. C'est tout. Toi-même, c'est pas être vilain, même on t'appelle l'ancêtre. Vous voyez, comme ton visage est dur, comme nous tous là, tout le monde t'appelle, ouais, le vieux vilain. Ça m'énerve même. Vilain là, au revoir. Pépite 3. Hé, hey, Yopougon. On ne le dira jamais assez, Yopougon n'est pas une commune, c'est un pays à part entière où ils sont dans leur culture là-bas. Eux seuls, ils se comprennent. Il y a une image. Il y a une image, quelle image? Sur l'image, j'ai écrit quoi? On est dans une chambre. Chambre de avec quoi? Avec un feu tricolore. C'est chambre de quoi? Ah, moi, je ne sais pas, c'est une chambre. Mais ils ont dit quoi? On dit, hôtel à Yopougon-Jesco. Hôtel à Yopougon-Jesco, ok. Quand le feu passe au vert. Quand le feu est vert. C'est quand ton heure est arrivée, il faut sortir. Ouais, Sylvain n'est pas l'homme. Merci à notre cher ami Sly qui nous a envoyé cette photo-là. Et il est passé récemment dans la chambre d'hôtel. On applaudit pour Sly, s'il vous plaît. Feu tricolore dans l'hôtel. Ah, c'est la haute technologie maintenant. Ouais, Yopougon. Ah, c'est le quartier de la réalisatrice. Respect à vous. Feu tricolore dans la chambre. Elle y va. Oh, bien, toi et puis tes gars, des trucs là. Le logo là. Pépite 4, les gens, l'argent. Nous, on est là tous les jours, chercher de la vie, chercher de. Ah, arrête de m'appeler là. Je te dois, mais c'est-à-dire, il ne paye pas. Mais faut payer un jour. On est obligé de payer, crédit. Moi, vous avez fait ma prière. T'as dit quoi? J'ai dit à Dieu, n'a qu'à toucher le cœur de ceux qui me doivent là. Ils vont donner mon argent comme ça, moi aussi là. J'ai donné l'argent de ceux qui me doivent. Tous les jours, on parle de chanter de la vie, chanter de la vie. J'ai dans le pays, là, les gens ont l'argent jusqu'à fatigue. Hé, Willy, je te dis pas, une facture de boisson, hein, dans boîte de nuit, on dit. Attends. Faut pas payer, c'est que ça, là. Moi, je touche. Donne le prix. On dit. Hein? Facture, là. Hein? Boisson, ils ont bu. Hein? Le total a fait 16 400 000. Hey, Seigneur, prenez-moi. Déposez. Ah! Yako. Combien? Je répète. Hein? Ils ont bu boisson. Boisson, bois, et puis ça te saoule là. Ils ont bu pour 16 400 000. Hey, Seigneur. J'ai dit, on est là, mais il y a des gens qui ont bu leur maison même. Je te jure. Zé l'amour. Oh, plus t'envoyer ici. T'es petit, c'est dedans. Mais, toi, as-tu 16 millions et quelques. Boisson qu'on boit là, hein. Boisson qu'on boit. Pour 16 400 000. Vraiment, la facture mérite ça. Eh oh! 16 400 000. Boisson pour 16 400 000. Les gens cherchent 100 000 seulement pour réussir dans Abidjan là. Comme tu as dit, d'autres ils sont en bois à toute leur maison. On dit, bon, par exemple, construire une maison, genre une petite chambre, c'est 4 millions. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient du bois villa. Il
Les gars, ça me fait mal même. On n'a qu'à avancer, non? Ouais, avance, c'est avance, avance. Allons, 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 allons. Ah! On avance avec l'info buzz à présent. José demande pardon. Alors que les internautes continuent de donner leurs avis sur le sujet, un nouveau rebondissement dans l'affaire du couple de la chanteuse José et du footballeur Serédier. Hier, contre toute attente, celle qu'on appelle la diva a fait une publication pour présenter ses excuses. José a reconnu que l'erreur était humaine et elle a demandé pardon à tous ceux qui avaient été blessés et choqués par cette histoire-là. La chanteuse est même allée plus loin en ajoutant qu'elle priait pour qu'Aline, l'épouse légale de Serédier, puisse trouver la force de lui pardonner un jour. À ses écrits, José a joint l'image d'une branche de feuilles d'olivier, symbole de paix et de réconciliation. Comme on peut l'imaginer, cette publication a suscité de très nombreuses réactions sur la toile. Pour les uns, José a bien agi en s'excusant. Pour les autres, ce poste de pardon est déplacé. Les internautes restent toujours divisés sur le sujet et les commentaires vont toujours bon train, hein, sur les réseaux sociaux. Les gars, moi j'aime José. Ouais, on adore aussi Aline. Ouais. On surkiffe et Serédier. Ouais, ouais. Mais pour montrer aussi à José que ça va passer, pour montrer à Aline, maman Aline, on te respecte beaucoup aussi. Et Serédier, on te respecte beaucoup aussi. Ouais, ouais. José est une artiste. Ouais, elle chante bien. Il y a eu un souci, mais ce que nous on retient, c'est qu'elle a du talent. Ouais, elle chante bien. Chante bien. Faites un truc, pardon. Excusez-moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pas. C'est ça, on était en train de débattre même. Mmh. Oui. Pas, il a dit à Serédier, José chante pour les femmes. Ouais. Donc au lieu de produire une femme qui chante pour les femmes, produit un homme qui chante pour les hommes. Pour les hommes. Attends, je vais chercher le micro de production là même. Voilà. Pardon, donnez-moi un micro de production, les gars. Merci. Voilà. Ado, ado, bon, bon. Toto, Bago. Voilà. Attends. Voilà. La femme Franck qui prend ça, la t'a venue ici, là. Voilà. Faut la donner. Faut la... C'est Djula qui dit ça. Faut la donner. Faut la dire, faut la parler, ça. Faut la donner. Hein, je la dis bonsoir. Je la dis bonsoir. Donc, oui, tu vois, José, tu es un... Hey, c'est Dieu, tu es un homme. Hein? Tu vois, produit une femme qui chante pour les femmes. Ouais. Produit un homme qui chante pour les hommes. Ouais, les hommes qui chantent pour les hommes. Et puis le même morceau t'a dévancé. Je te dis, c'est mon morceau. Hein. C'est pas possible. José m'a dévancé. Hey. Attends. Yeah. Elle a chanté un morceau, on dit... J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontré, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je vais t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Quand on championne, tu es là, y'a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Et bien le titre qui finit pas, si tu veux pas, faut me libérer. Ça là, c'est que José a chanté. Ça c'est ta chanson. Non, ça c'est pour José là. Ça c'est pour José là. Maintenant, toi-même là. Quoi? Hein? Ah ouais, moi là. Ah. J'ai rencontré Adja, Mako Djoula, elle est mignonne. Jolie femme, intelligente, elle est posée. Ah. On s'est rencontré, au marché d'Adja, je lui ai dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. À peine 3 jours qu'on est là, bébé. Tu rentres tard, tu sors tôt le matin. Quel genre de show même tu recherches? Aja bébé. Dans ta promenade, tu es là, y'a plus pénalty. Oh. Aja bébé. Quel genre de show même tu recherches? Aja bébé. C'est que le show qui finit pas. Hey. Si tu veux pas, faut me libérer. Oh Aja, je veux savoir où on va. Parce que dans ma porte en homme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu fais pas la cuisine. Pourquoi? Tu t'occupes pas des enfants. Après ou bien tu veux qu'on t'en sorte une deuxième fois. Pour te talonner, tu ne veux pas m'envoyer devant tes parents. Pour me légaliser, je t'ai assez prouvé que Aja, je veux de toi. Aja, si tu veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu vis ta vie. Quel genre de chemin tu recherches? Aja, bébé. Dans ta promenade, tu es là, y'a plus pénalty. Oh. Aja, bébé. Quel genre de chemin tu recherches? Aja, bébé. C'est que le show qui finit pas. Si tu veux pas, faut me libérer. Non, 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 le président, non, non, non.
T'as vu? Tu dis, voilà, c'est le téléphone, il n'a pas venu nous produire. Mais c'est ça, je te dis toujours, arrête d'aller t'asseoir dans Gbeledron, mais puis chanter. Moi aussi. Parce que c'est tout ça qui fait que les gens passent et puis on prend tes chansons. Non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Donc maintenant, là, il boit quoi? Maintenant, il boit la bière. Donc, vraiment, ton cas est critique. Hein? Non, mais il faut, de temps en temps, il faut grimper. Il faut grimper, il faut grimper. Oh. Il a grimpé, donc maintenant, il boit bien. 16 milliards. Mais moi, il n'a pas envie de boire 16 millions. Donc, il boit la bière. Si il la trouve, c'est 16 millions. 16 millions. 16 400. Au lieu de boire 16 millions, 400 000 là. Il boit 16 400. Ah, vraiment, le grand Mugul, je n'ai rien entendu dans ce que tu dis. Mais quand on parle de bière, là, moi, il devient toqué-toqué. Maman José, on t'aime. La télé est là vraiment. Pour toi. Si tu es venu aussi te libérer, nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Force à toi. Force aussi à beaucoup de courage à notre très cher Sérédier. Maman Aline, Dieu te fortifie. Prompt rétablissement, Nasaratu. Vous connaissez Nasaratu? Non, c'est qui ça? Ah, c'est la finale de Miss Côte d'Ivoire. C'est prévu pour le samedi 2 juillet. Ça dit, c'est samedi qui arrive là, non? Ouais, et c'est déjà arrivé. Hein? Et puis les candidates sont toutes en plein dans la préparation. Bon, malheureusement, la candidate numéro 27, Diaby Nasaratu, elle ne pourra pas participer à cette fête. Hey. Ah bon? Oui. Bon, le comité a annoncé que la jeune dame était malade et qu'elle ne pourrait pas participer au concours. Yako, Nasaratu, Yako. Tu as bataillé tout ça pour ça. Tu as vu. Et bonne chance à toutes les autres. Voilà, rendez-vous samedi pour découvrir qui sera la nouvelle reine de beauté en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta fait protéger son nom. Le milieu des influenceurs est en pleine ébullition dans notre pays. Et chacun cherche à frapper le plus gros coup pour faire parler de lui. Le dernier fait en date est d'Emmanuel Keïta. Installé à Paris depuis de longues années, la jeune dame a annoncé sur les réseaux sociaux que son nom était désormais une marque. Juste pour information, le nom Emmanuel Keïta EK est dorénavant protégé en tant que marque et répond au numéro national français 22 48 71 260. Juste une information, rien de très grave, vous pouvez continuer à salir la marque. La France ne fera rien du tout. C'est ce qu'a déclaré celle que ses fans appellent EK. La demande d'Emmanuel Keïta a été bel et bien enregistrée à l'Institut national de la propriété intellectuelle INPI en France. Il faut comprendre entre les lignes que dorénavant s'attaquer au nom d'Emmanuel Keïta revient à s'attaquer à une marque française. Voilà qui est dit et bien dit. Vous êtes prévenus. À bon entendeur. Salut. Toi, tu as déclaré ton nom à quelque part. Tiens, nous-mêmes, là, c'est Paris, là, mais on cherche d'abord. C'est quoi, Paris? C'est Paris, là, mais on cherche d'abord. Ah. Vous a, recevez l'onction de Paris maintenant. Amen. Vous allez aller à Paris aussi, les frères. Amen. Mais c'est simple, Paris n'est pas loin. Ça vous allez à la 7e tranche. Paris baguette. Vous faites photo de vin. Vous êtes arrivé à Paris. Il y a tout le fait là-bas. Hein? Si c'est si tout refait la même, c'est ça, c'est sa poitrine. Donc, vous la laissez. Oui, je pourrais tout penser de toi, sauf ça. Hein. Non, mon frère, c'est une expérience unique à vivre. Ah. Combien de personnes ont ça dans la tête d'aller se mettre devant Paris Baguette pour aller faire selfie? Personne. Ah, c'est nous, la fois, frère qui? On t'a dit, c'est taxi, on a envie d'emprunter. Ah. Bon, les gars, on va parler de Caisse Blum. Et puis, il dira, je ne sais pas si vous avez vu ça, on dit, ils font une mise au point. Lui, il est au Cameroun, là. Et il est revenu depuis haut. Depuis, on dit que non, il y a une go maintenant qui s'appelle Indira. Elle aussi, elle est au Cameroun là-bas. Et puis, tu as vu, non, sur les photos là, ils font love. Donc, depuis quelques jours, plusieurs internautes font état d'une idylle naissante entre le rappeur Caisse Blum et puis la chanteuse camerounaise Indira. Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos des deux artistes circulent. On les voit tantôt ensemble en balade, ou tantôt dans des salons feutrés, ou tantôt dans la voiture. On ne sait pas qui roule, mais ils sont dans la voiture. Beaucoup ont vite fait de parler d'une histoire d'amour qui existerait entre eux. Donc, pour mettre fin à toutes ces rumeurs-là, la jeune artiste camerounaise est finalement montée au créneau. À propos de Caisse Blum, Indira a déclaré, je cite, « C'est pourtant juste un ami que j'aime bien et avec qui je partage beaucoup de choses. Un je rumeur. Me sens très bien avec lui. Hein, » c'est quoi? Un rumeur. En plus, il existe des vraies amitiés filles-garçons. Vous croyez en amitié filles-garçons? C'est pas encore du vois ici. Je vous imaginez rien, oh, mon époux, c'est Jésus. Après un tel discours, chez nous, on dit un point, un trait. Bon, maintenant, c'est lui qui a entendu ça là. Et puis, il veut parler encore dessus. C'est un sorcier. La fille a dit, il n'y a rien en eux. C'est vous qui voulez créer love pour leur donner forcé. Aïe! Il n'y a rien en eux, non? Si il dit, ben, moi-même, au quartier, il y a des gos qui vont en garçon. J'en sont mes frères sans quoi. Ah. Si il dit ça, pas de drap. C'est le truc qui existe, mais
Mais une fille qui finit à tiquer 300 dans 300. Quel 300? Une fille qui finit à tiquer 500, elle dit 300. Elle finit à tiquer 500, donc ça va. Elle me paye ta coupe. C'est ton frère, ça. C'est Jacques qui Les gars, ils ne vont plus venir, ils sont trop bêtes. Alors. Yaya Touré obtient son diplôme d'entraîneur. Wow et, pas de nouvelles pour le milieu du football africain, pour le sport en général. On le savait en formation depuis de longs mois en Europe pour réaliser son rêve, celui de devenir entraîneur. C'est chose faite. Le frère de Kolo Touré vient de décrocher son diplôme d'entraîneur UEFA A. Le footballeur a annoncé la bonne nouvelle lui-même sur les réseaux sociaux, avec un beau cliché sur lequel il tenait en main son diplôme fraîchement obtenu. Bravo à toi, Yaya Touré. On espère bientôt te voir sur le banc d'une grande équipe européenne ou d'une sélection africaine. Bon vent pour cette nouvelle carrière. Les gars, il n'y a pas un petit oui pour Yaya Touré là-bas. Hein? Vas-y. Enfin, il a dit en s'il peut venir pas en Africa même, ça nous sauve un peu. Hein? Non, mais bon, il y a quelque chose qu'on ne pas quoi. On dit gagner le stade. Et puis, vous venez en première division. Mais c'est bloc. Vous menez 0 stade, vous gagnez 2-1. D'accord. On dit, bon, il y a barrage. Gagnez Yakro. Vous jouez barrage. Vous menez 0, Yakro, vous gagnez 2-1. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut même plus en discuter. C'est sûr que vous êtes en D2. Hein? Comme c'est ce que vous aimez là. Moi, je suis africain. Et donc, moi, c'est ASEC. C'est qu'est-ce que vous, les supporters d'ASEC là, je vous dis en même temps, vous, les supporters d'ASEC là, si vous êtes garçon, venez nous trouver en D2. Vous n'êtes pas ce que vous montrez là-bas. Mimo, 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 Mimo. C'est l'émission de Willy Dumbo. Mais nous là. Africa, c'est mon équipe. Vert et rouge, c'est mon maillot. Africa, c'est mon équipe. Vert et rouge, c'est mon maillot. Africa, c'est mon équipe. Vert et rouge, c'est mon maillot. Honte, 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 honte. Chacun sa ligue. Chacun sa ligue. Les Mimos, on est champions. Mimosa, on est champions. Mimos, on est champions. Mimosa, on est champions. Hey. Les Mimos, on est champions. À 5 ans, on devient champions. Hey. Les Mimos, on est champions. Aye. Les Mimos, hey. On est champions. Oula. Ah, Mimos. Hey. Lui là. Eh hey, les gars. C'est pour aujourd'hui seulement. Non, vous et moi, chaque jour, on est ensemble non, à l'été. Non, tu as raison. Ouais. Je suis à sec, mais même à fierté de côté. Hein? Je viens d'apprendre que le boss est Oye. Il est Africa. Tu as vu? Oui. Le boss. Tu as une bonne position. Tu es béni. Tu es béni. Ça. C'est même pas à discuter. Oui. Pourquoi on me lance ça? Sinon, il pourrait pas me lancer. Hé, hey, quitte-toi ici là, faut pas lui là, ça a tombé de l'air du boss. Allô, allô, ouais, bon dia. Ouais. Permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la lecture, c'est la mission que se sont assignés les concepteurs de l'application YouScribe. Comment se présente-t-elle? Qui peut y avoir accès? Les réponses maintenant avec Fabrice Indé, c'est maintenant dans le 12h chrono. Bonjour à tous, le saviez-vous, la lecture permet de lutter contre le vieillissement du cerveau et améliore l'esprit d'imagination. Malgré tous ces bienfaits, certains ne s'intéressent pas à la lecture. Pourquoi cela? Aujourd'hui, on essayera de comprendre cela et on vous proposera une solution qui vous aidera sûrement à vous intéresser à la lecture. Venez, on y va. Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie, dit-on. Tourner les pages en silence permet de s'évader, de se cultiver et d'enrichir son quotient intellectuel. La lecture intéresse-t-elle encore les Ivoiriens? Nous leur avons posé la question. Est-ce que tu lis? Ouais, rarement. Hein. Rarement. Qu'est-ce que tu lis en général? Les documents sur la motivation. Un peu. Bon, les romans écrits par les personnes qui ont vraiment impressionné le monde. Par mois, je peux comptabiliser à trois livres. J'aime la lecture, mais je n'ai pas le temps, donc je ne lis pas. Non, je ne lis pas. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup les romans. Mais maintenant, je n'ai pas assez de temps pour les romans. Il y a maintenant l'Internet, il y a la télévision. Bon,
Enfin, on se contente de ça. Il y a Facebook, il y a beaucoup de choses maintenant sur Internet. Donc du coup, on n'a plus ce temps-là pour vraiment s'asseoir, lire un roman, c'est compliqué. Pourquoi la lecture est de moins en moins dans les habitudes? Pour le savoir, direction 13 villes, à la rencontre de Sydney Karam, coach en motivation littéraire. Une certaine catégorie d'Ivoiriens disent que le livre coûte cher. Moi, par exemple, je peux lire 2 romans par jour, alors que j'ai plein de choses à faire, mais c'est une question d'organisation. Quand tu t'organises bien, tu arrives à lire. Un bon citoyen doit lire. Quand tu as été à l'école, après l'école même, tu peux toujours continuer à lire. Alors celui qui ne lit pas, tu vois, non? Il a grandi le cercle de l'ignorance. Alors que c'est dangereux. La manière, le ventre a besoin de nourriture, c'est comme ça, le cerveau aussi a besoin de connaissances intellectuelles. Et comme c'est dit dans les livres saints, mon peuple périra par manque de connaissances. Pour faciliter l'accès à la lecture, des entrepreneurs ont mis en place une bibliothèque en ligne. Romans, livres, bandes dessinées, actu, tout y est. Le Scribe, c'est la plus grande bibliothèque numérique d'Afrique francophone. Une plateforme qui permet la consultation d'ouvrages culturels, de la littérature, des audiobooks, de la documentation professionnelle, vraiment tout ce que tu peux retrouver dans une bibliothèque. Plus d'1,5 million d'ouvrages. Là maintenant, on a hâte de voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc tu vas nous expliquer? Bien sûr. D'accord. Donc aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Donc bah, tu vas avoir notamment des recommandations sur de la littérature ivoirienne, d'accord, avec Anzata Ouattara. Le principe est simple. Après le téléchargement de l'application, il faudra ensuite s'abonner pour bénéficier de tous les ouvrages disponibles sur la plateforme. Là, par exemple, je vois que c'est les journaux du jour. Exactement. En fait, on a les journaux en temps réel. Là, on retrouvera Fraternité Matin, Kbiche, JD Édition, PME Magazine, L'Éléphant Déchaîné. Il y a de la littérature africaine, là c'est des coins bulles pour les enfants. Exactement, donc c'est vraiment se dire voilà, qu'on a un catalogue très varié, très diversifié, qui parle à tout le monde et surtout qui met en avant la culture et la littérature locale. Cette application permet de lire partout et à tout moment. La bibliothèque dans le téléphone, une manière de rendre la lecture plus accessible au maximum de personnes. Car comme le disait Voltaire, la lecture agrandit l'âme. Allez les amis, comme notre très cher Apoutchou sans filtre l'a dit, la lecture agrandit l'âme, la lecture nous bonifie notre vocabulaire, notre parler. Allez lire, c'est important, mais lisez toujours après WAM, c'est important. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec le groupe Talent Fashion. A tout à l'heure. Hey, nous sommes de retour à Paris aujourd'hui, nous sommes précisément le mardi 28 juin 2022. Je suis en compagnie de Talent Fashion. Talent. Je veux produire un album. Mais ce n'est pas des chansons à me proposer là-bas. Ça dépend. Tu sais que Esaïe même là, c'est ma chanson, il l'a pas pour chanter là. Ah, mais toi tu fais comment et puis les gars ils volent tes chansons. Ah, tu vois comment ils dorment, ils chantent. Eux ils aiment passer derrière ma fenêtre. Ah, je te dis toujours, donc depuis tu n'as pas mis bois pour cacher fenêtre là. Ah, c'est ça. C'est un rideau. Ça fait le goût commun. Chanson que Esaïe a chanté, tu connais ça? Esaïe l'original, c'est pas ça? Papa de Riello. Hein? La partie où on dit. Sa partie là? Il a dit quoi? La partie qui chauffe là. Voilà. Ça là. Ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. Voilà, ça c'est ma chanson. Où? Oui. Mais tu dormais où? Comment tu as bu? Pourquoi à la pas maison. Tu... Oh, vraiment. C'est que 16 400, ça fatigue. C'est ça, au fait. Les gens font 16 400, toi, tu fais 16 400. Chacun boit ce qu'il a. D'autres ont bu maison. Si moi, je bois quelque chose. On dit, quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même, il se cherche. Ce n'est plus de l'aide. On appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis pas de parler en même temps. Voilà lui, il vient haut, oh. On t'y passe son an des fois, oh. Voilà lui, il vient haut, oh. Dès que tu as besoin de lui, oh. Voilà lui, il vient haut, oh. On t'y passe son an des fois, oh. Voilà lui,
Lito, c'est le mondial Lito, président MBC, de la génération consciente. Y'a même pas fini de parler en même temps. Voilà lui, viens haut. Oh. On dit pas son nom de faux. Voilà lui, viens haut. Oh. Dès que t'as besoin de lui. Oh. Voilà lui, viens haut. Oh. On dit pas son nom de faux. Voilà lui, viens haut. Oh. Dès que t'as besoin de lui. Oh. Voilà lui, viens haut. Oh. On dit pas son nom de faux. Voilà lui, viens haut. Oh. Les gars, voilà. Les gens travaillent l'argent, moi je travaille les papiers mouchoirs. C'est important, faut pas que vous transpiriez. N'a pas Jojo. Voilà. Là, c'est pour ne pas transpirer. Ça, c'est ce que Isaïe a chanté, non? Hein? Il était dédié pour moi la paix. Il sait que toi, c'est ton travail. Qu'est-ce que c'est ton travail là? Moyen chez les gens là. Moyen chez les gens. Oui, moyen chez les gens, hein. On dit quelqu'un qui te rend visite alors qu'il sait qu'il est midi. Ce n'est plus visiteur, on l'appelle le concombre. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que ta femme dresse la table et que tu t'assois, tu finis pas de prier en même temps. Voilà lui, il sonne, oh, il sait pas sonner doucement. Oh. Voilà lui, il sonne, oh, il va garder son éri là-haut. Voilà lui, il sonne, oh, il sait pas sonner doucement. Oh. Voilà lui, il sonne, oh. Et j'ai dédié de la partie là. Ah non, vraiment. Faut applaudir pour lui quand même. Non, c'est pour ça. Tu es fort, vous êtes fort, mais il faut savoir choisir vos thèmes. Moi, à midi, je suis obligé de m'incruster dans la vie des gens pour leur apporter du bonheur, n'est-ce pas? Donc s'ils mangent, je dois manger avec. Où est le problème? Non, bon, mais en quelque sorte, c'est ça que m'a dit comme ça. Mais toi, depuis là, je vous dis, donnez-lui, achetez des Zintel, c'est pas cher. Zintel, il boit la nuit, il dort le matin. Moi-même, là, ici, déjà des parasites. Non, tu venais faire un quoi, Zintel. Allô, ça. T'es devenu un poli, hein. Moi, je vais plus vous Willy, produire, là. Je t'ai dit, il faut voyager souvent. Pour aller où? Quand tu vas en Amérique, aux États-Unis, les Rihanna, là, ils font R&B. Uh-huh. Ça, c'est ce que ils chantent. Puis c'est en anglais. Comment ça se passe là-bas? Ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. Oh mama, 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 when are you a bang yes a drinker? Oh mama, 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 when are you a bang yes a drinker? À cause de politique, politique, politique. C'est ça les morceaux anglais. Faut non, petit t'es fort. Yeah. Oui. Ça va. Lili, hein? Nya Zetreke là, c'est embêté. C'est pas très aigué. Non, Zetreke. Il comprend pas anglais. Ah. Nya Zetreke là. Bam, Yurku, Tekemei, c'est les mots en anglais. Anglais, loulou là. Quand anglais a commencé au début là, c'est comme ça a commencé. Ah. Anglais américain là. Oui. Même mais quand tu vas en France, les Français ont leur style de musique. Mm. C'est ce que les mecs James la finissent, mais ça fatigue. Hein. Ça épuise, c'est fatigué. Hein. Épuisé, épuisé, affligé, épuisé, épuisé, je suis fatigué. Dans ma vie, je me suis noyé, comme si dans les canets en haut, face à l'air, mal à l'aise, fatigué, épuisé, les malades, je prends dire un mot. Ma vie, sans vie, je ne fais que rêver, condamné, opprimé, résilé, mal au dos. Mal au dos, il a chanté ça. Ah, non, mais dites fort. Non. Mais il y a un morceau que je voulais te dire à trois peuples particulièrement. Hein? Au Djula, hein? Au Baoulé et au Bété. Non. Oui, hey, moi, tu sais que moi, là, ça sort comme ça sort. Hein. Je te jure, mais après... Mais James, même là, souvent, même, c'est mes chansons, il vient, il donne. Après, il faut créer une chanson surtout aussi pour affaire de qui est ton parent, là. Si l'autre est le frère de ton papa, c'est que toi, c'est ton oncle. Il faut y penser aussi, les gars. Il faut que ça soit sur l'album. Ouais, c'est ouais, ça. On va y penser. Mais attendez, il est derrière là-bas comme s'il ne chante pas. Il a un truc qui fait... Attends, lui, là, il ne parle pas français. Donc, quand tu lui fais un truc, c'est comme ça, il répond. Ah,
Sing, so now they swing. Le créateur de la scène. C'est toi, créateur, mais c'est toi qui a fait. On a tout déjeuné sur bien sûr. Tiens. C'est le créateur. Hé, hey, le créateur universel. Ouais. Ouais. Et puis, il y a un son qu'un de mes gars bête a fait, là, Willy Dombo. Ouais, il y a frisé ça. 20 for you. Ouais, tu vois. Adina Manako, c'est moi 20 for you. Adina Manako, je sais plus où, regardez. Ah ouais, la pub. Eh bien, nous sommes de retour, la famille. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis en compagnie de Talent Fait Show. Les amis. Venez. Bon. Hey, vous aimez trop fête. L'autre, l'autre, vaut mieux aimer fête que. Que parlable. Voilà. L'enfant, ouais. Tu voulais nous donner un son bété, doula et puis truc là-bas, là. C'est toujours dans ta tête, mais ça a disparu. Quelqu'un d'autre t'a pris. C'est toujours là. Faut tuer. Tu sais, Mec, tu avais chanté un morceau là. Attends. C'était. Tout le monde sait, Wololo. Afrique dans les airs, Wololo. Ça, c'est Mec James. Mais Nadou, oui. C'est pas le frère de Mec James. C'est que c'est la même chose, là. Toi, là. On a ta télé. Son morceau, là. Attends, c'est Dieu qui c'est comme ça, il a chanté. Non, tu sais. Il a volé ma chanson. Ça, c'est ce que lui a chanté. Moi, il ne connaît pas. Mais il a chanté en français. Oui, maintenant, moi, il te dédie ma partie, là. D'abord, il dédie ça à tous les baoulés. Tous les baoulés qui me suivent. Ouais, voilà. Vous parlez bien. La tante de Francky, le tonton de Francky. T'as des baoulés, là. T'as trop bouche de baoulés. Kolouba. Kolouba Norbert. Kolouba Norbert. Sa tante. Maman Kokoya. Maman Kokoya. Voilà, depuis la Libye. Voilà, c'est la tante de Francky. Sa tante direct. Donc, il a dédié ce morceau-là. Stop. Je bois la bière, je bois le vin, je bois Bangui, j'adore Belin, je suis un baoulé. Je suis un baoulé. Ah, il te dit ça. Maintenant, il te dit le même morceau à tous les deux là. Ah, d'accord. Ouais. Mon ami d'enfance, Abdoul, Doulou. Voilà, ouais. Et puis. Tous les Dulas de mon quartier. La chanson là, vous envoyez ça en même temps. Voilà, ouais. Stop, je bois Bacan, je m'ignore, j'adore ta bâton, je viens d'aigle, je suis un Dula. Je suis un Dula. Non, que tu te fends. Mais la bête est dispoie. Tout ça pour les bêtes, on va entendre. Bêtes, dis quoi? Ne faites pas attention aux paroles. Écoutez la mélodie. Stop. J'aime bien le riz. J'adore la sauce graine. La serviette beaucoup. J'aime bien. Je suis un bêté. C'est quoi? Ah, oula, c'est quoi? Je dis, faut pas m'écrire. Parce que c'est celui que tu as sorti d'ici, toi là. Ah, quand il chante, faut bien écouter. C'est ma chanson, mais ça peut devenir ta chanson. Ah, d'accord. C'est que moi, il met la partie là.
Si ça ne te plaît pas, toi, tu prends un petit mets pour toi. Souvent, c'est pas stop. J'aime bien le riz. Faut écouter. J'adore la sauce graine, la serviette au cou. J'aime bien. Je suis un pété. Les gars, il nous reste à peine 30 secondes. On est dans un pays, on aime franchement le président. Mais la vie est trop chère. La dernière fois, j'ai senti ça. Je suis allé à Bassam. Fais ça. 1000 francs, 1000 francs retour. Moi, péage. Moi, je suis parti, je voulais rester là-bas. Payer quelqu'un à payer le retour là. Sinon, je suis parti. Quand ils m'ont dit, qu'ils m'ont donné le prix là. Ils disent non, ça, il ne vient plus. Ah, on peut pas improviser un truc comme ça rapide sur la vie qui est chère. Vas-y, petit. La cherté de la vie. Hein? Ouais. Tu sais, autant de poignées, oh, y avait l'argent, oh, yeah. Autant de poignées, oh, il y avait l'argent, oh. Bédé est venu, oh, l'argent a diminué, oh, yeah. Gay est venu, oh. L'argent a disparu. Oh. Où tout est venu. Oh. L'argent est revenu. Oh, yeah. Ah, est venu. Oh. Je suis pas l'argent est revenu. Oh. Mais, Ato est venu. Oh. En tout cas, il est venu. Oh, yeah.